Avant que la vidéo commence, les gars, je vous rappelle qu'on est en live tous les soirs à 21h30 sur GTA 5RP. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes nombreux à me suivre tous les soirs en live. Voilà, commentez, etc. N'hésitez pas à suivre mes aventures sur GTA 5RP. On recrute aussi, le lien se trouve dans la description. Ciao tout le monde. Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, les gars. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, ma foi, incroyable. Parce que oui, aujourd'hui, on va essayer, je dis bien essayer, d'aller voler une voiture secrète d'Apple. Donc voilà, c'est une voiture... ma foi, incroyable comme vous avez pu voir dans la miniature. Mais on a une petite mission, donc c'est à dire que c'est un véhicule hyper rare qui apparaît à un endroit, donc qui apparaît assez rarement, j'ai envie de dire limite hein. En gros c'est assez sécurisé, donc on a une petite mission à faire quand même, d'aller chercher tout simplement le véhicule sans se faire attraper, etc. Et surtout faut qu'on fasse ça assez discrètement, parce que si on fait pas ça discrètement, on risque d'avoir la police. En tout cas les gars, c'est parti, let's go. Ok, du coup les gars, c'est parti, je suis là, je suis déterminé, mais vous savez quoi, pour pouvoir aller voler le véhicule, il faut bien que je sois déguisé, si vous préférez, il faut bien que je sois façonné, comme on dit, il faut que je sois, voilà, déguisé en mode Apple. Donc on va mettre un petit vêtement genre Apple, tu vois, pour faire genre, ouais, si je suis un gars d'Apple et tout, t'as vu, tu comprends. Alors, on va aller dans t-shirt, et voilà, petit t-shirt blanc, un peu survêt blanc, voilà. Et les chaussures, ah, voilà, des baskets, genre, voilà. Là, on est bien, là, on est corda, par contre, la casquette, on va peut-être enlever. Voilà, pas de casquette, là, on est pas mal, les gars. Là, franchement, regardez, quand vous me voyez comme ça, vous dites, ce mec travaille chez Apple. Ça se voit que je travaille chez Apple, les gars. Je travaille chez Apple et je vais voler leur véhicule. Alors, donc, on va y aller, c'est ici, c'est assez sécurisé. Mais je pense qu'il y a moyen... Alors, c'est à peu près vers là, voilà, c'est à peu près vers ici, c'est ce quartier-là. Pour ceux qui connaissent, c'est très sécurisé parce que c'est un truc où... il y a pas mal de gardes, il y a pas mal de gardes, donc je sais pas si ça va bien se passer, je sais pas s'il va y avoir la police, etc. On va bien voir. En tout cas, je vais aller m'équiper d'armes, etc. Du coup, bon, je vais prendre ma voiture, ouais, je vais prendre ma voiture. On va aller s'équiper d'armes aux munitions. Hello. Non, c'est pas gilet, on s'est pas gilet parce qu'on est quand même un gars chez Apple, je veux dire. Bah écoutez monsieur, je vais vous prendre un sniper, hein, finalement. Pourquoi pas. Oh, bazooka, ça peut être intéressant aussi. Ouais, je vais prendre sniper. Je vais mettre le silencieux dessus. Lunettes, ouais, fusil amélioré, ouais. Allez, il est pas mal. Un peu discret, genre en mode noir, c'est bien. Genre non, comme si ça fait un peu fourré. Ok, donc je suis équipé de mon petit sniper. C'est bon. On va rien prendre d'autre. Peut-être un fusil d'assaut. Peut-être un fusil d'assaut, ouais. Tu vois, on va mettre ça, ouais. En termes de balles, on peut mettre pas mal de choses. Voilà, on a mis les lunettes aussi, on a mis le poignet, on a tout mis. Bon, on va analyser, on va aller voir comment ça se passe. On va aller voir, tâter le terrain, j'ai envie de dire. Donc c'est ici. Je vais mettre le point. Voilà, c'est ici les gars. Oh ouais, ça va être chaud, ça va être compliqué, ça va être chaud. Là, on arrive à côté, on a un premier poste ici. On va le passer, c'est bon, c'est passé nickel. Par contre, je vais cacher le véhicule derrière les gars. Et ça descend. Ah ouais, il descend même carrément du côté là. Ok, oh c'est bon. Je vois les gars là-bas. Je vois les gars un truc là-bas. Donc c'est ici, hein. Il y a un hélicoptère. Ok, je vais prendre mon sniper. Il y a un hélicoptère. Juste là. Ok. Au niveau des gardes, faut regarder. Il y a deux gardes. Mais en fait, le véhicule, il est là-dedans. Il est là-dedans. Par contre, j'ai pas de visuel sur le véhicule. Faut que je me... tourne peut-être un peu. Il y a un autre garde là. Ok, sinon il n'y a pas d'autre garde. Est-ce qu'il y a des caméras? Je ne peux pas très bien analyser. J'ai pas envie de me faire cramer, les gars. Ok, il y a une caméra là. Il y a une caméra là, il faut qu'on la dégomme. Bon, j'ai analysé un peu le truc. Je vais essayer de prendre l'auteur de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas. Si le véhicule est bien dans le camion. Il faut que je prenne des photos. Oh, c'est bon. On a un petit visuel là. Prends mon téléphone. Ouais, il y a un truc, les gars, dans le camion. Il y a un truc dans le camion. Ok, et les caméras, on avait dit qu'il y en avait ici. Bon, les gars, c'est parti pour voler le véhicule secret d'Apple. Let's go! J'espère que vous êtes chaud, les gars, j'espère que vous êtes chaud. C'est magnifique, c'est un véhicule d'Apple, les gars. C'est incroyable, c'est hyper rare. Et croyez-moi que je vais pas le rater. Et surtout, je vais pas le louper. Bon, je vais mettre mon véhicule là.
Et c'est parti, les gars. Je pense que c'est parti. On va attaquer ça. On va surtout attendre qu'il fasse un peu nuit, les gars, je pense. Donc on va attendre tranquillement et on se retrouve quand il fait un peu nuit. Ok, les gars. J'ai bien patienté. Il fait bien nuit. Je suis revenu dormir. Il est actuellement 20h16 sur le téléphone. Et on va passer à l'attaque. Faut que j'ai les deux en même temps. C'est bon. Ok, les deux gardes sont morts. Ensuite, il y a lui. Ok. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre en visuel. Caméra, les gars, caméra. Les caméras. Il y a une première caméra ici. Ok, caméra neutralisée. On va devoir rentrer, les gars, on va devoir rentrer. Pour l'instant, c'est pas averti, y a pas d'alerte, y a rien du tout. On est tranquille. Oula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 l
Mais laissez-moi vivre, bordel, laissez-moi vivre. Enfin, dites, madame, ça va aller, oui. Ok, on va aller chez des gangs, je sais pas, faut qu'on fasse des trucs, là, je sais pas. Ok, pour l'instant, on s'en sort, pour l'instant, on s'en sort. Faut que je vais aller sur le tour. Ok. Y'a moyen, y'a moyen, les gars. Le tunnel est pas loin, les gars. J'entends, par contre, le véhicule qui est en train de souffrir à l'intérieur du camion. Le véhicule d'Apple. Et on n'a même pas encore vu à quoi il ressemblait, les gars. C'est ça le pire. Ok. Ok, c'est bon, je suis en train de foncer. On est pas mal. On va arriver près du tunnel. Pour l'instant, on a toujours 4 étoiles, les gars. Il faut absolument qu'on dégage ces 4 étoiles. Oh là là. Le tunnel est là, là. Le tunnel est là bientôt, les gars. Tunnel ici. Ok, il faut que j'aille. Il faut que j'aille sans les flics, absolument. Ça y est. Oh là là, je vais faire quoi, les gars? Je vais passer par là. Et les flics derrière moi, yeah. Il faut absolument que je passe par là. Allez, vas-y, poussez-moi. Oui, c'est ça, poussez-moi, donnez-moi de la force. Non, bah non, ils veulent pas me donner de la force. Hein. Ils veulent me tuer, ils veulent me buter. Il faut que je revienne en arrière. Je vais passer par là. Oh la vache, c'est bon. Ok, là je pense que je vais les semer, les gars. En fait, faut que je repasse par là. Allez, speed. Faut que je rentre dans le tunnel. Allez, ok, c'est bon. Oh, les flics, ils sont déter, wesh. Ok, les gars, faut que je les sème dans ce tunnel. Il faut absolument les semer. Et surtout, une fois qu'on les aura semés, on va attendre qu'il fasse jour pour sortir. Parce que je pense que le tunnel risque d'être quand même eh bien surveillé, hein, parce qu'ils m'ont vu rentrer dedans. Pour l'instant, on est pas mal. On est en train de faire les étoiles, les gars. Mais le problème, c'est que là. Ok, s'il vous plaît, enlevez-vous les étoiles. Regardez, elles veulent pas s'enlever. Allez, petite étoile. Enlève-toi, petite étoile. Tu n'as plus qu'à t'enlever et je suis libre. Et j'ai les véhicules d'Apple. S'il te plaît, enlève-toi. Et ça veut pas s'enlever, les gars, c'est abusé. Bon, on a réussi à passer ici, c'est chaud. Okay. C'est bon, ok, c'est bon. On a semé la police. Wouhou. On a semé la police et on va pouvoir attendre qu'il fasse jour parce qu'il est quelle heure là? Il est 2h du matin, on va attendre qu'il fasse jour et on va sortir, les gars, tranquillement. Oh cool, les gars, après une bonne nuit de sommeil, il fait enfin jour, on va pouvoir sortir du tunnel. J'ai pas entendu sirène, j'ai rien entendu, donc j'espère qu'il va pas avoir de police. Et on va pouvoir enfin voir ce qui se cache derrière ce magnifique et dans ce magnifique camion. C'est parti. Ok, la porte est ouverte. C'est parti, on a ouvert la porte du camion. Alors du coup, les gars, votre avis, Apple ou pas Apple? C'est parti. Oh shit. C'est quoi de ça, les gars? Regardez, il y a le logo Apple. Ah ouais, il y a le logo Apple et tout. Oh shit, je rentre dedans. What the fuck, c'est quoi ce con? Oh shit. C'est une voiture du futur, en fait. On va sortir. Ah ouais, mais what is this shit? Ah oui, regardez les roues. Les roues Apple et tout. C'est abusé, mais on dirait un peu des roues de Formule 1. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous kiffez? D'ailleurs, ça va être un petit like. Je sais pas si vous kiffez, mais on dirait un peu des roues de F1, mais genre bizarre. En fait, c'est vraiment le logo Apple, les gars. Même là, regardez, je zoome bien. Logo Apple, par contre, on va tester la vitesse. Est-ce que, selon vous, en plus, on a une bonne ligne droite. Est-ce que, selon vous, le véhicule va vite ou pas? Voilà. Donc là, on est bien en km/h.
What the fuck? La vitesse du véhicule, je suis à 240, 243, 50, 54, 278. Est-ce qu'on peut monter à 300 ou pas, les gars, à votre avis? Oh, je suis à 300, les gars. Je suis à 300 km/h. 307. What is this? Il est trop cheaté. Ce véhicule est beaucoup méga trop cheaté. C'est un... Là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait à Apple, mais déjà que les iPhones, c'est magnifique. Et là, leur véhicule est vraiment pas mal, hein. Il est vraiment sympathique. On va tester sa tenue de route. Est-ce qu'il tient bien la route ou pas? En tout cas, il bombarde. Après, c'est un véhicule électrique, donc forcément, c'est comme Tesla, les véhicules électriques, ça bombarde au démarrage. Donc, ouais, je vais regarder. Ah, il a pas l'air de très bien tourner, par contre. Regardez. Ouais, au niveau du tournage, c'est un peu compliqué. Ça dérape pas mal quand même. Hein. Ça dérape pas mal quand même. Mais franchement, je valide fortement ce véhicule. Il est vraiment beaucoup trop magnifique. Ah ouais, il est beaucoup trop cheaté. Je kiffe. Je suis en plein kiff, les gars. Franchement, je suis en plein kiff. Oh. En tout cas, voilà, les gars. C'était le véhicule Apple. Voilà à quoi il ressemble, pour ceux qui veulent savoir. Je vous fais une petite présentation quand même de l'extérieur. Voilà, on a le logo Apple. 4 logos Apple sur les côtés. On a la petite LED ici de nuit. Et il est vraiment stylé. Il est vraiment stylé. Voilà, 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 les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vole d'autres véhicules. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel véhicule vous voulez que je vole pour la prochaine fois. Et vous inquiétez pas, bientôt, il va y avoir l'épisode 2, tout simplement, l'épisode 4, non, pardon, de voler un véhicule abandonné. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est en live tous les soirs à 21h30 sur GTA 5 RP. N'hésitez pas, également, si vous voulez rejoindre le serveur, vous me le dites, le lien est dans la description.